contente de vous retrouver aujourd'hui puisque la famille s'agrandit. On a acheté une nouvelle bibliothèque avec Tristan puisque bah, dans le salon on galère un petit peu. Alors pour ceux qui débarquent sur cette chaîne, derrière moi c'est clairement la pièce où je filme habituellement et il y a tous nos livres lus à peu près, même s'il y a des livres que j'ai pas forcément lus mais c'est des livres que Tristan a lus ou certains livres dans ma palle justement qui ne logent plus là-bas. Donc celle-ci a encore un peu de place en vrai parce qu'en haut il y a encore des étagères et puis même il y a des endroits où c'est pas forcément serré, enfin là il y a de la place et donc quand un livre est terminé on le met ici. L'année dernière, alors on l'a acheté en avril, on a acheté une bibliothèque pour mettre dans le salon, alors déjà parce que je voulais trop des livres dans le salon et parce que je voulais séparer ma pile à lire des livres lus et parce que je manquais de place ici. Donc dans le salon on a toute ma pile à lire et elle commençait un petit peu à déborder et j'avoue que voilà, j'avais envie d'acheter une autre bibliothèque. Je fais très souvent du tri, je pense qu'une fois par mois on fait un colis qui part soit en bibliothèque soit sur Jibert parce que je revends aussi certains livres, donc je me sépare de beaucoup de livres mais j'en reçois énormément et de toute façon ça fait partie de mon boulot de recevoir toutes les nouveautés, donc c'est normal que j'ai une pile à lire plus grande que mon avenir. Je l'ai reçue avant le week-end mais on est parti ce week-end dans nos familles et donc là on est lundi et je viens juste de rentrer et j'avais trop hâte de la monter, donc elle attend depuis 3 jours dans le salon et on va la monter ensemble et après je vais un petit peu réagencer. Enfin ouais, j'ai trop hâte de l'avoir montée parce qu'on n'a pas pris exactement la même. Donc on a pris la même marque, elle est juste ici, c'est une Vasagle. Clairement elles sont vraiment pas chères en termes de rapport qualité prix. La première on en est très content. Elle est censée être de la même couleur et même style mais elle est censée être un peu plus large mais un peu moins haute, enfin du coup normalement si ça colle avec ce que j'ai pris. C'est parti, c'est un peu lourd quand même. Donc pour vous montrer en gros, là actuellement on a celle-ci et comme vous voyez en haut ça fait un moment qu'on accumule ici, il y a encore des livres dans la maison à certains endroits qui sont pas rangés, qui traînent et puis il y en a en bas là vous voyez que je commence à mettre comme ça et bref j'ai plus de place. Donc là on en a pris une autre et dans l'idée c'est pour la mettre, alors je pense qu'elle va être à peu près haute comme ça, je crois qu'elle passe pile en dessous le cadre et dans l'idée elle sera un petit peu plus large que celle-ci. Donc elle devrait se finir peut-être là. On va voir si on décale celle-ci un peu plus par là, un peu plus par là, voir comment les deux rendent côte à côte. Mais voilà, je pense que ça peut être très cool. Donc c'est parti, on va la monter ensemble et après je la remplirai. Donc je pense que je ferai des trous dans celle-ci pour remplir un peu celle-là pour que ce soit assez équilibré. Et au fur et à mesure, de toute façon, elle se remplira avec les livres qui arrivent.
C'est incroyablement beau. Alors, je vais vous faire un petit tour, parce que du coup j'ai tout réagencé ici, c'est plus exactement la même disposition forcément, et bah évidemment il y a plein de livres ici. Alors c'est vrai qu'on dirait que c'est déjà plein, vu comme ça, mais c'est un peu histoire que la présentation soit jolie, on a laissé des trous à certains endroits, et j'ai ramené plein de livres de ma bibliothèque, notamment les suites de saga que je mettais pas forcément ici. En général, par exemple, si j'ai lu le tome 1, je vais mettre le tome 2 ici, et si j'ai le 3 et le 4, je mettais dans ma bibliothèque, parce que bah c'est pas, enfin c'est dans ma pile à lire, mais c'est pas directement le prochain livre que je peux choisir. Et du coup bah là, comme j'avais plein de place, j'en ai amené ici pour que ça soit joli dans le salon et pas qu'il y ait des cases vides. Oh là, j'ai le soleil dans la tronche. Je vais passer rapidement pour vous montrer comme une sorte de petit bookshelf tour, et avant, je viens d'aller à ma boîte aux lettres. Je vais ouvrir du coup mon colis qui va directement se ranger dans cette bibliothèque puisqu'il va se mettre dans ma pile à lire. Il n'y a pas trop de suspense puisque c'est clairement marqué dessus, ça me vient de chez Lumen et il s'agit du tome 2 de la saga Les Monstres de Papier. Donc là c'est l'oiseau de feu, et pour la petite info d'ailleurs, on m'a proposé une collaboration sur ce livre, mais si vous vous souvenez bien de mon avis du tome 1, je l'avais lu en vlog l'année dernière. Au début, toute la première partie du livre, j'avais vraiment adoré, j'aimais trop l'univers, et ça a été un petit peu décrescendo la suite. Je savais pas si j'allais lire la suite, donc j'ai préféré décliner la proposition de collab, mais en acceptant quand même le SP, voir si un jour j'ai envie de me le lire et de lire la suite. Mais pour la collab, je préférais pas, parce que bah c'est vrai que le tome 1, c'était vraiment comme ça sur la fin. Donc je me suis dit que voilà, si un jour il me tente et que dans quelques mois, après avoir vu des avis, j'ai envie de lire la suite, écoutez, j'irai. Mais comme ça fait pas partie des lectures qui me font envie là, maintenant, tout de suite, bon, j'ai préféré décliner la collab. Il s'ajoute dans ma pile à lire et on verra. Clairement, ça va dépendre des avis du tome 2. S'il y en a vraiment qui disent que l'intrigue prend une tournure assez ouf, qu'il est encore mieux que le 1, etc., je tenterai peut-être. Mais voilà, en tous les cas, je suis quand même contente de l'avoir. J'adore toujours autant cette couve. Et puis, je reste frustrée de cette saga parce que vraiment, ça partait trop bien. C'est vraiment la fin qui a été décrescendo. Donc, ouais, clairement, là, c'est affaire à suivre. Donc, je vais le mettre avec les Lumen et on fait un petit bookshelf tour. Alors déjà pour commencer, on a fait une énorme place ici, puisque là il y avait au moins, je pense qu'il y avait entre 15 et 20 livres qui étaient au-dessus en plusieurs piles, donc on a tout enlevé et ça nous a permis de remplir là, je vous montrerai après. Donc c'est parti, ici j'ai pu ramener mes VO, les VO j'avais jamais eu la place de les mettre dans le salon et ils étaient clairement dans ma bibliothèque habituelle là où je vous tourne les vidéos, donc j'ai pu ramener tous mes petits VO ici et trop contente, au moins je me dis je vais peut-être y penser plus souvent. Ici on a tous les pocket jeunesse, donc il me reste un petit peu de place et j'ai mis deux livres du rayon de l'imaginaire. Bon, normalement ils iraient plus avec les hachettes en bas, mais j'ai déjà trop de hachettes, donc je les ai mis ici, mais sinon tout le reste c'est des pocket jeunesse et notamment celui-ci. J'ai trop hâte de le lire, c'est le dernier qui est arrivé et vraiment tellement hâte de le lire. Ensuite, si on descend, eh bien on a tous les Lumen avec notamment celui que je viens juste de ranger et j'ai vraiment beaucoup de Lumen à lire, donc il serait temps que j'en lise. Pourtant j'en lis déjà beaucoup parce que c'est une maison d'édition que j'adore, mais là notamment 3 vieilles Schwab là, qui traînent depuis beaucoup trop longtemps à mon goût. Là j'ai 3 petits Ozu qui je pense changeront de... qui finiront par changer de case à mon avis, mais écoutez pour l'instant ils sont là parce que j'en ai pas beaucoup des Ozu. Ensuite une étagère avec les Gallimard, donc il reste plus qu'une place, je pense que je peux mettre encore un livre, et avec celui-ci que j'ai reçu très récemment, donc Uki de Fourrure qui est là, qui se passe dans le même univers que Potkin, et celui-là que j'ai reçu la semaine dernière aussi, trop hâte de le lire, Nuit Noire, Fille des Déferlantes, le résumé m'a bien donné envie. Ensuite pour le coup ici ça a pas trop bougé par rapport à mon bookshelf tour de l'année dernière, donc je vais aller assez vite. Là on a tous les livres de l'école des loisirs et j'ai rajouté les Gulfstream, donc j'en ai 3, j'en ai pas beaucoup ici, donc j'ai mis ces deux maisons d'édition ensemble. Et ici pour le coup c'est ce que je vous disais, on a tous les Hachette et j'en ai un petit paquet, mais du coup on a surtout tous mes, en fait tous les Disney, vu que l'année dernière j'étais ambassadrice pour la collection Disney chez Hachette Heroes, bah il y a tous les Twisted Tale, là il y a les deux qui sont sortis sur l'étrange Noël de Monsieur Jack qui sont trop beaux mais qui du coup sortiront plutôt de ma bibliothèque à Halloween parce que là c'est plus trop la saison. Et après on a d'autres Hachette, mais pour le coup c'est les Disney qui prennent beaucoup de place. Et enfin tout en bas, je vous montre pas en détail mais c'est toutes les BD. Donc là on a toutes les BD de toutes les maisons d'édition confondues, donc Glénat, Dupuis, Jungle, Rue de Sèvres, Macaca. Et ici vous reconnaissez peut-être le dos orange représentatif des éditions Kinaï, donc on a surtout les éditions Kinaï avec d'autres petites BD. Et donc voici le nouveau meuble, donc c'est parfait parce que vraiment il passe juste en dessous le cadre qu'on avait, donc on a pris le parti de le mettre au niveau du cadre juste ici, c'est un peu de travers là ce que je vous montre, voilà. Donc ici on a pu parfaitement caser une petite pile, ça vient au millimètre près au niveau du cadre, c'était hyper satisfaisant. Donc sur le dessus du meuble on a casé quelques deux Saxus et surtout des reliés, et ici on a deux Rivka, et voilà, je trouvais ça joli d'en mettre en présentation comme ça sur le meuble, sinon ça faisait un petit peu vide, et puis soyons honnêtes, ça fait aussi gagner pas mal de place dans les cases d'en dessous, donc c'était un petit peu pour remplacer ce qu'on avait au dessus de ce meuble que je vous ai montré juste avant. On avait énormément de reliés comme ça,
ça, avec la petite Edwige, comme ça, très mimi, qui garde toute cette pile. De l'autre côté, on a tout simplement ma petite tasse à marque-page, que j'associe à chaque fois avec l'ambiance de ma lecture, donc... Parfait. Alors ici on a mis tous les bragelonnes parce qu'ils étaient tout en haut, donc on a dû leur trouver un petit endroit. Alors il y a pas mal de formats différents parce qu'il y a les bragelonnes hardback, là il y a des hardback mais qui sont plus petits, qui sont de la taille des brochets. Mais bon, ici j'ai tous mes bragelonnes et la luminosité fait que de changer, donc vraiment c'est compliqué. Et j'ai encore de la place pour en accueillir un je pense, donc écoutez ça passe. Juste à côté on a les deux Saxus. De Saxus, Sabran, Saxo, je les ai tous mis ensemble. Sabran, c'est plutôt tout ce qui est lié aux mythes, légendes, réécritures, etc. Et ils ont également sorti une collection Saxo, qui est plutôt leur collection jeunesse. Donc je les ai tous mis ensemble. Et ici, clairement, c'est juste un peu deux livres magnifiques en déco. Donc on a mis La Quête des Willan, l'intégrale que Tristan a eu à Noël. Et le dernier de Brandon Sanderson, qui est d'ailleurs toujours sous blister, qui est à Tristan également et qui est son auteur préféré. D'ailleurs, ça va clairement avec le cadre, l'affiche au-dessus. On les a mis là pour l'instant parce que vous voyez qu'on a des cases vides, donc on a complété avec un petit peu de déco, mais à terme logiquement il y aura des livres partout. Alors clairement juste ici c'est un peu la case fourre-tout, c'est-à-dire que c'est une case où j'ai qu'un ou deux livres de chaque maison d'édition. Donc on a un Slalom, un Sarbacane, un Casterman, un La Martinière, maison d'édition Inis, Naos, Rajo, Flammarion et Seuil. Et clairement ils vont tous ensemble parce que j'en ai qu'un de chaque, avec notamment celui-ci qui est l'un de mes derniers achats et que j'ai trop hâte de lire, donc La Maison sous la Maison. Mais voilà, là on a mis une petite case, en plus ils ont presque tous la même taille. Écoutez, c'est pas mal. Juste ici, on a la maison d'édition Didier Jeunesse, donc il reste une case si jamais j'en reçois un autre d'ici là. Et à côté, on a un petit peu de plusieurs maisons d'édition, puisqu'on a les éditions de L'Homme sans nom, avec cette énorme bricasse. On a un livre Rivka, parce qu'il logeait pas avec les autres au-dessus qui sont à côté du cadre. Des éditions Olympe, j'ai reçu celui-ci récemment de Ada Vivalda, qui me fait très envie, mais j'espère que ce sera pas trop romantaisie. Et ici on a mis un Nathan puisque la case d'à côté c'est que des Nathan et qu'elle est déjà pleine. Et c'est là où je vous disais que justement j'avais ramené toutes mes suites qui normalement étaient dans mon autre bibliothèque, parce qu'en général je mets dans ma pile à lire uniquement le tome 1 ou le tome 2 en fonction de là où j'en suis dans les sagas. Mais là vraiment j'ai ramené les sagas complètes, donc ça prend énormément de place. Faut vraiment que je lise des Nathan avant de recevoir d'autres. J'aime bien, c'est plein de petits jeunesses, donc ce sera parfait pour les 7 jours 7 livres. Et enfin on arrive tout en bas et je suis toujours aussi blanche parce que le soleil est revenu. Ici on a la case un petit peu des auteurs auto-édités, des maisons d'édition où j'en ai, mais globalement c'est un petit peu de l'auto-édition sauf ActuSF qui est là, et là 2-3 livres qui sont ici, sinon le reste ce sont mes auto-édités. Ici on a deux beaux objets, les livres Zelda, donc du jeu vidéo, ça ce sont les livres de Tristan avec toutes les solus, les infos, tout ce qu'il faut savoir sur l'univers. Donc voilà, donc on a mis les deux tomes juste ici. Et enfin la dernière case, on a les Bayard et les Milan, et j'ai rajouté quelques petits livres plus format semi-poche, donc notamment Watership Down. J'ai pu ramener Elana tome 3 et on a également les deux livres mystères qu'il me reste à lire. Pour ceux qui avaient suivi, Tristan m'avait acheté 4 livres et il avait mis des mots clés, vous voyez qu'ils sont toujours pas ouverts, je n'ai pas triché. Oui bon c'est bon. Ils sont toujours dans ma palle, promis, je vais vous faire bientôt un autre vlog. En plus celui-là est petit donc je pense que je vais pouvoir lire les deux. Ça arrive, c'est juste que j'ai pas d'excuses. Et regardez en plus ce qu'on a mis ici. C'est la maquette du livre L'âme du vent qui sortira dans la maison d'édition de Tristan. Donc il est complètement vierge. Hein. Écoutez, on le garde comme si c'était un livre et on mettra l'épreuve définitive de L'âme du vent quand on l'aura reçu. Faut, je suis trop contente, c'est trop beau quoi, vraiment. C'est magnifique, c'est plein de couleurs et tout, j'aime trop. Le fait d'avoir pas pris la même forme... Je suis assez fan du rendu. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que ça vous aura peut-être motivé à ranger vos bibliothèques, parce que je sais que quand j'ai posté ma story ce matin, il y en a plein qui m'ont dit ton rangement va me donner envie de ranger moi aussi mes livres. Donc dites-moi si vous en avez profité pour faire vous aussi du tri dans vos bibliothèques. Je pense que prochainement je ferai un tri justement pour faire comme je fais régulièrement, pour donner, pour vendre des livres, parce que là j'ai juste réaménagé tout ce qu'on a, mais une fois de temps en temps on fait un tri. Donc je ferai probablement, je sais pas si je le ferai en vidéo, ça dépend, parce que des fois je fais du tri, j'enlève 10 livres, j'ai pas de quoi en faire une vidéo, mais quand je fais un gros tri, le prochain je le ferai en vidéo. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez bien le rendu. Je pense que ça fera aussi des belles photos Instagram. En tout cas moi je suis trop fan, t'aimes bien ou pas? J'adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous attends dans les commentaires, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.